Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. Et vous vous demandez très certainement qu'est-ce que je tiens dans la main. Bingo, c'est mon ancien micro. Parce que j'en ai un nouveau. Alors je voulais vous remercier, vous et Blue, pour ce micro. Ça me fait extrêmement plaisir. Franchement, c'est cool. À ce qui paraît, ils m'ont dit que je pouvais gueuler deux fois plus fort avec ça. Un truc de fou. Si vous voulez le modèle exact, c'est un Blue Spark. En tout cas, c'est bien cool. Et du coup, eh bien, je n'ai plus besoin de ce petit micro. Ça me fait un pincement au cœur de m'en séparer. Mais bon, je le fais gagner. Il est pour vous. S'il y a minimum 20 000 personnes qui sont intéressées par ce micro, à 20 000 likes, je le fais gagner. À n'importe qui sous la vidéo. Vous mettez un petit commentaire, je suis chaud pour le micro et je l'enverrai à n'importe qui. Vous avez votre oncle, votre tante, votre grand-mère qui fait du chant à la messe tous les dimanches. Elle a besoin d'un micro, elle passe sous la vidéo. Je suis chaud pour le micro, je lui envoie. Honnêtement, 20 000 likes sur une communauté de 300 000 abonnés, ça va être easy pour vous. Et entre nous, s'il n'y a pas 20 000 personnes d'intéressées pour gagner le micro, ben c'est pas grave les gens. Je le mettrai ici dans le décor, il sera parfait. Voilà, au pire il accompagnera mon trophée et puis c'est tout. Bon après cette longue intro, on a tout dit, on se retrouve les gens sur Minecraft. Et oui, vous avez bien entendu Minecraft. Mais cette fois-ci, on se retrouve pour un mode survie. Alors pep, je sais ce que vous allez me dire. Jolate, rappelle-moi, t'as commencé combien de modes survie que t'as jamais fini? 4 pour être précis. Avec Stranded Draft, bien sûr. Qu'on finira peut-être un jour. Laissez un petit like si vous voulez qu'on finisse ce Stranded Draft. Et dites-le moi dans les commentaires. Moi, je suis chaud en tout cas. Mais là n'est pas le sujet aujourd'hui. J'ai presque envie de dire que c'est une vidéo spéciale aujourd'hui. Mais spéciale, Minecraft, ça rime pas trop. Et ben, on va dire quand même que c'est une vidéo spéciale. Déjà, on va renommer notre monde. Donc, nouvelle survie. Encore une. 3 points de suspension. Parce qu'on sait jamais quand ça va s'arrêter. Mais on va pas se mettre en mode survie classique. On va tout de suite passer en mode hardcore. Alors là, mon gars, je peux vous dire direct, on n'a pas le droit à l'erreur. Rien. Identique au mode survie, mais verrouillé à la difficulté maximale avec une seule vie. Ouh, ça y est, c'est parti. On est atterri. Et on atterrit déjà dans un village. Et ben ça, c'est plutôt cool, j'ai envie de dire. Il y a déjà des cochons. Il y a tout à proximité. What? Est-ce que c'est fait exprès ou... Alors, je l'ai pas précisé aussi, mais je suis sur la dernière version de Minecraft. La 1.12.2. Je ne sais pas du tout ce qui a été rajouté ou ce qui a été enlevé. Enfin, enlevé, je suppose que non. Nouvelle recette, voir le livre de recettes. Ah! Alors, attendez. Parce que je crois que ça, ça y était pas, voyez? Ah yes, comme la Nintendo Switch. Il me semble pas qu'il y était avant le livre de recettes. Je sais plus du tout, franchement. Donc là, les gens, comme je vous le dis, on n'a vraiment pas le droit à l'erreur. On va se fixer un objectif pour débuter cet épisode. Déjà, ça, ça va être cool. Ouh, toi, par contre... Attends, viens là. Putain, mon vieux, il veut pas crever, hein. Alors, l'objectif, les gens, pour ce premier épisode va être plutôt basique, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'il va falloir se mettre à l'abri avant la tombée de la nuit. Alors, vous savez que déjà, dans Minecraft, se balader de nuit, c'est pas forcément une bonne idée. Mais alors, se balader de nuit en hardcore... Je pense que c'est même pas la peine. Vaut mieux creuser une grotte et y rester. Et du coup, je suis encore en train d'hésiter. Je réfléchis. Est-ce qu'on se construit une base? Est-ce qu'on va vivre dans une grotte perdue au fin fond de la map, je ne sais où? Franchement, je sais pas du tout pour le coup. On va se faire un petit établi. Ah yes, c'est cool avec le bouquin. On va se faire quelques blocs en bois comme ça. On se fait quelques bâtons également. Ça, c'est cool. Nickel. Alors là, pour le coup, va pas falloir traîner. On va se faire direct une épée, une pelle, une pioche, une hache. Là où, on verra ça plus tard. On est plutôt pas trop mal comme ça. Voilà, nickel. On a notre hache en bois et tout pour commencer. C'est génial. On va se ramasser un petit peu de bois. Alors c'est vrai que depuis que j'ai commencé Minecraft, pour tout vous dire honnêtement, j'ai jamais fini une seule survie. Même de mon côté à jouer comme ça, je sais que j'avais commencé une petite aventure survie sur la Switch. Comme ça, juste pour moi, j'en avais pas fait de vidéo. J'avais peut-être bien joué dessus une bonne dizaine d'heures. Et j'avais même pas fini le mode survie quoi. Moi surtout ce que j'aime bien dans Minecraft, c'est le mode exploration. C'est vraiment explorer la map... C'est ramasser des ressources. La survie, tout simplement, j'ai envie de dire. Ça, je kiffe vraiment. Bon, on se ramasse quelques rondins de bois, c'est cool. On va se prendre un petit peu de cochonaille, bien sûr. Voilà, viens ici. Nouvelle recette? Ah yes, on peut faire un coffre maintenant. Là, on a à manger. Déjà, on se met bien pour commencer. Voilà, yes, ça c'est bon ça. Alors bien sûr, je peux pas vous dire combien de temps cette série en hardcore va durer. Parce qu'en fait, si on meurt, eh ben tout simplement, c'est fini. Hein. Le monde est effacé. Donc ça se trouve, ça va durer un épisode, comme peut-être 10 éventuellement, je ne sais pas. Je ne sais guère. Alors aussi, n'hésitez pas à interagir dans les commentaires, même ceux qui n'ont pas l'habitude de poster des commentaires. Ça pourrait être cool d'interagir tous ensemble sur cette série. N'hésitez pas à me donner des défis pour la série, ça pourrait vraiment être cool. Moi en tout cas, ça me fait toujours super plaisir de lire tous vos commentaires. Vraiment, viens ici, toi.
Voilà, nickel. Alors, qu'est-ce qu'on a en cochonaille? On en a 27. Oh, écoutez, on va se faire le petit dernier, tant qu'à faire. Voilà. On est plutôt bien tombé parce qu'on était juste à côté d'un village. Donc, ça, c'est cool. Bah, écoutez, on va carrément fouiller le village. S'il y a moyen de trouver des coffres ou quoi. Hop, hop, hop. Attends. Ah ouais, ok, d'accord. Eux, ils t'échangent des trucs. Oh, le salaud, il veut 32 papiers contre un émeraude. Pour faire les papiers, il me semble qu'il faut de la canne à sucre. Il y a même pas un petit coffre dans le coin ou quoi? Ouais, d'accord. Ouh, 17 côtes de porc contre un émeraude. T'es cher, mon salaud, hein. Je garde mes côtes pour l'instant. Par contre, ça par contre, je vais juste prendre au moins un four. Voilà, je pense que ça va pas le gêner. Hein. Par contre, ça va tellement vite, la faim a baissé en hardcore, j'ai la pression. What? Mon épée, elle est quasiment morte. Bon, en même temps, j'en ai niqué du cochon, je veux dire. On va se prendre quelques graines. Vas-y, ça, je vais tout prendre aussi. Ouh, attendez, nouvelle recette, je peux me faire la canne à pêche? Ah, yes, c'est cool. Voilà, ça, je vais y prendre ces petites graines. De toute façon, il en aura plus besoin. Alors là, je vous le dis, les gens, pour le début, on est vraiment pas mal tombé. Juste à côté d'un village. On a de la carotte et tout. On a à manger, du coup. Et bah, regardez ça, il est en train de replanter, lui. Hop, bah, vas-y, replante. Moi, je les prends derrière. Ah, puis ça remonte pas trop mal, franchement. C'est nickel, ça. Eh bien, écoutez, pas grand-chose dans le village, j'ai l'impression. Il y a quand même pas mal de graines. Il y a du blé, il y a des carottes. Ça, par contre, c'est cool. Ça va être génial pour le début de notre aventure. Nouvelle recette, yes, on va pouvoir faire le radeau. Oh merde, excuse. Par contre, j'ai pas fait exprès, ça. J'espère qu'il va pas se rebeller, parce que là, je suis un petit peu dans la merde. Écoutez, on va se mettre juste à côté. On va se mettre par là, hein. Non, 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 on va aller là-bas, regardez, il y a une grotte. On va pas trop traîner, franchement. Voilà, il y a une grotte qui est juste ici. J'espère vraiment qu'on va pas se faire avoir. Voilà, yes, ok. Alors attendez, je vais m'enfermer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'enfermer là-dedans. Par contre, on va se dépêcher. Oh putain, what? Il a une pelle en ferraille. Merde, 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 merde. Vas-y, dégage. J'ai plus d'épée, j'ai plus d'épée. Écoutez, je vais prendre la hache. Ok, ça démarre très mal. Ça démarre très très mal. Oh putain. Oh putain. Oh, je me casse. Ça démarre extrêmement mal. Je vais au village. Je retourne au village. Eh ben écoutez, elle est très mal barrée, cette série, j'ai envie de vous dire. On va s'enfermer quelque part dans le village. Voilà, vas-y, ouvre ta porte. Laisse-moi rentrer. Laissez-moi rentrer, les gars. Wouh, on a eu chaud. C'était un petit peu chaud, j'avoue, pour le coup. Surtout, n'ouvrez pas les portes, hein. Je vais manger un petit bout. Ah, c'est con parce que j'avais vu du charbon. Ouah, comment que c'est super tendu, franchement. C'est un truc de malade. Il m'aurait fallu juste un peu de pierre. Je vais pas niquer la pierre dans le village, quoi, mais... Ils sont où, les zombies? Ok, ils sont là, ils sont là, ils sont là. Ok, 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 ouvrez, 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 les gars, ouvrez. On ferme. Bon, eh bien, écoutez, je vais attendre que le jour se lève, hein, tranquillement, parce que là, ça va être la misère. Pas de panique, on a de quoi survenir à nos besoins pendant la nuit. Je me suis muni d'un petit verre de menthe et de deux petits gâteaux. J'adore la menthe. Moi, je pense que le temps que la nuit passe... Ah bah, attendez. Bah, la nuit est déjà en train de passer, là, non? Ah non, pas du tout. On va se manger un petit gâteau, bien entendu, histoire de reprendre des forces. Pourquoi il se fait pas attaquer par les zombies, lui, dehors, là? Mais elle est des votre pote, les gars, là, non? Non, laissez-le, vous avez... Qui c'est qui m'a tapé, là? C'est toi qui m'a tapé? Ouais? Il dit oui en plus. Le soleil commence tout doucement à se lever. Normalement, je pense que ils vont périr, eux. On va tout de suite se stuffer dès qu'on les a eus. Attendez, parce que je sais qu'il y a un squelettor là-bas. Voilà, ça y est, ils prennent feu. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ça, ouais, ça nous sert un peu à rien, la chair de zombie. Avant de partir, on va quand même se récolter tout ça, bien entendu. Ce qu'il nous faudrait, c'est de la pierre. Absolument. Ça, attendez. Ça, il va nous en falloir. Ça attaque pas, ces trucs-là? Non? Non, ça attaque pas. Voilà, il va nous falloir de l'encre. Parce qu'avec ça, on va pouvoir créer une carte, il me semble. Là-bas, on va pouvoir choper de la pierre. Ça va être nickel. Bah, attendez. Ça, on prend, bien sûr. J'ai l'impression qu'on commence bien, quand même. On commence très fort. Voilà. Tiens, viens ici, ma belle. Voilà, c'est bien, ma jolie. Ah, bah, c'est là, tout à l'heure, que j'étais planqué, non? Non, pas du tout. Si on pouvait trouver un peu de pierre, un peu de charbon, ce serait nickel. De la pierre, déjà, il y en a. Ça, c'est parfait. Ce qu'il va nous falloir, c'est du charbon, maintenant. En plus, on a des petits trophées et tout, c'est nickel comme ça. Attendez, on va poser l'établi. On va se faire 2-3 outils en pierre. Voilà, ça, je prends. Ça va venir remplacer celle en bois. Nickel. Bien entendu, une hache. Et l'épée, quand même, qui est très importante aussi. Non, parce que là, les monstres, ils ont l'air d'être chauds, quand même. Ah, bah, avec la pioche en pierre, ça va déjà beaucoup plus vite. On passe déjà un level au-dessus, vous voyez? Bon, je suis en train de creuser tout doucement. Je sais pas jusqu'où ça nous emmène. Mais pour l'instant, j'ai pas trouvé un seul bloc de charbon. Bon, en même temps, j'ai pas creusé bien loin non plus. Ouh!
Attendez, qu'est-ce qu'on a par ici, là? J'ai pas spécialement envie de descendre comme ça. Je veux d'abord voir ce qu'il y a autour. Voilà, on va avancer comme ça, tranquillement. Le truc, c'est que si je descends, il y a moyen que je me fasse attaquer par des squeletteurs ou des conneries du genre, quoi. Et je crève sur un truc complètement con, quoi. J'ai envie de tenter. Allez, on tente. Il y a quelqu'un là-dedans? Non? Ok, pour l'instant, ça a l'air... Ça a l'air plutôt safe. Oh, du charbon. C'est ça qu'il nous fallait. Eh ben, on a bien fait de descendre, vous voyez? Voilà, on va pouvoir se mettre bien. On va pouvoir se faire des petites grillades et tout, des petites côtes, là. Ah, vous allez voir qu'après tout ça, ça va être perfect. C'est quoi, On peut faire des blocs de charbon? Ça sert à quoi, les blocs de charbon dans Minecraft? Est-ce que c'est pas une mise à jour qui a fait ça, non? Alors, attendez, c'est quoi ces blocs de charbon? Blocs de charbon, ça sert à quoi, ça? Je sais pas, mais j'ai pas envie d'en faire. Je récupère tous mes charbons. Petite pioche, par contre, ça, oui. Est-ce qu'il y a moyen qu'on se fasse 2-3 torches? Voilà, on va se faire des petites torches comme ça. Nickel. Ah, bah, on y voit déjà un petit peu plus clair là-dedans, non? C'est quand même un petit peu plus chaleureux. Ah, bah, voilà. Ça, c'est nickel. Un petit peu de ferraille. Regardez, j'ai creusé encore un petit peu, là. J'ai continué. J'ai commencé à faire un petit escalier par ici. Là, on commence à se mettre bien. Si on peut se faire des armures en fer et tout dès le début, ce serait nickel. À mon avis, peut-être pas des armures, mais si on pouvait se stuffer en fer déjà. Genre pioche, épée, la hache, ce serait cool. Voilà, on va ramasser tout ça. Minerai de fer, yes. On est en train de se mettre pas trop mal, là. Putain, il y en a pas mal ici, là. Mais c'est l'Eldorado dans cette grotte. Une petite torche s'impose dans ce coin-là. Alors, c'est vrai que sans les shaders, j'avoue que dans les mines comme ça, on voit plus clair. Mais je trouve ça quand même moins stylé. What? J'ai déjà perdu ma pioche en pierre? J'ai l'impression que les outils, ils s'usent plus vite aussi en hardcore. Est-ce que je me trompe? Par contre, la faim, elle baisse extrêmement vite. C'est un truc de fou. Je vais mettre un petit peu de charbon là-dedans. On va se faire cuire 2-3 côtelettes. On va se mettre bien, là. Voilà, ça va être nickel, ça. Je vais me faire un petit abri de fortune là-dedans, je pense. On va mettre ça ici. On va se faire, bien entendu, un petit four qu'on va mettre juste à côté. Ça, on va couper ça en deux. Ah, par contre... J'ai pas spécialement beaucoup de charbon, hein. Voilà, et on va faire fondre la ferraille un petit peu. Ça va être nickel. Là, on commence à se mettre bien, les gens. Bon, écoutez, on va s'arrêter là, je pense, pour ce premier épisode en hardcore. En tout cas, on est plutôt bien parti. Je ne sais pas encore jusqu'où on va pouvoir aller comme ça. Mais si ça continue comme ça, on est vraiment bien parti. En tout cas, si vous êtes chaud pour la suite, vous pouvez mettre un petit like sous la vidéo. Vous pouvez également me le dire dans les commentaires. Et c'est avec grand plaisir qu'on fera la suite tous ensemble. Vraiment, pour le coup, on est bien parti. Sur ce, moi, je vous dis à la prochaine. Et ciao tout le monde, bye bye.